code. J'ai dit les amis, aujourd'hui j'ai réuni une centaine de joueurs pour affronter le vaisseau mère. Est-ce qu'on va réussir à le détruire? Vous le saurez dans cette vidéo. Et un conseil, regardez jusqu'à la fin, c'était incroyable. Et pour me soutenir les amis, mettez le code GUGUGGU dans la boutique de Fortnite, un des codes les plus simples au monde. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner, mettre la cloche et me suivre sur les réseaux, Instagram, Twitter et TikTok. Les gars, on a tout donné pour vous produire le dernier clip monstrueux qui est sur la chaîne musique Mana. Il me tient vraiment à cœur et ce serait super si vous alliez le voir. Le lien est en première ligne de description. J'attends vos retours avec impatience. Merci à vous de me soutenir chaque jour, c'est incroyable toute la force que vous me donnez, mais je sais qu'on peut faire mieux, alors faites-moi péter ce clip et je vous le rappelle, il est en premier lien dans la description. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Ok les amis, je vais vous expliquer toutes les petites consignes à suivre. Tous les abonnés, on va aller à Slurpee Swamp, ok? Donc on va à Slurpee Swamp, vous vous lootez, d'accord? Je veux que vous ayez tous une arme. Pour que tout le monde ait une arme, voilà, il faut que vous partagiez, hein, vous partagez toutes les armes les gars, et on va se retrouver sur le toit de Slurpee, donc le toit, voilà, de la grosse usine. Moi je vais vous attendre là-bas les gars, et on va attaquer le vaisseau mère. Regardez, ils ont ouvert la faille, c'est peut-être le moment de les attaquer, on va essayer de détruire ce vaisseau. Allez vous loot à Slurpee Swamp les gars, essayez de ne pas tout détruire s'il vous plaît, je vous fais confiance là-dessus. Trouvez une arme et trouvez des armes conséquentes pour défoncer le gros vaisseau mère, et ça va le faire, ça va le faire. Moi je vais attendre, voilà, sur le gros bâtiment les gars, je vais attendre. Allez tous chercher une arme les gars, allez tous chercher une arme. Voilà, je vais commencer à casser ça, j'espère qu'il y aura de la place pour 100 personnes. Voilà, ne cassez rien hein, ne cassez rien. Allez touche, non mais quand je vous dis de pas casser, cassez pas le toit. Oh, ils sont insupportables, ils sont insupportables. Une fois que vous avez une arme les gars, rejoignez-moi sur le grand toit les gars, le grand toit de Slurpee Swamp. Allez les gars, allez, j'ai confiance en vous. Les gars, on va venir à bout du vaisseau mère. On va venir à bout, on va pouvoir le défoncer. Ok, putain, j'en vois là-bas, il s'attaque aux bots, il s'attaque aux acolytes. Les gars, dès que vous avez une arme. Mais Rick, toi, t'as pas d'arme, va chercher une arme, Rick. T'es pas dispensé d'aller chercher une arme, allez, tu vas. Ça va être incroyable, ça va être festif. Je vais prendre une petite arme moi aussi, voilà. Hop là, je prends une petite arme quand même pour tirer avec vous. Parce que quand même, il faut qu'on y mette tous du sien. Qu'on y mette tous du sien pour le détruire, ce vaisseau. Regardez ça, ça fait peur, mais on va y arriver. On va y arriver, les amis. Voilà, rejoignez-moi, les gars, sur le grand toit. Une fois que vous avez une arme les gars, sans rien casser. Allez, venez tous, venez tous. Les 80 personnes là, on est presque une centaine les amis. Espérons, en plus on est en plein milieu de la zone, c'est parfait les amis. Voilà, il y a encore beaucoup de monde en bas les gars, beaucoup de monde en bas. Une fois que vous avez vos armes les gars, il nous faut les 100 personnes sur le toit. Allez, on va lever une armée, une grande et belle armée les amis. Venez, 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 venez. J'ai confiance en vous, vous pouvez le faire. Vous êtes la meilleure armée, la meilleure armée les gars. Cassez pas les gars, construisez pas, juste venez sur le toit, venez juste sur le toit les gars. OK, venez juste sur le toit et ne faites pas le bordel. C'est tout ce que je vous demande. OK. Ok, ça va le faire, ça commence à se rassembler un peu. Ah, ne construisez pas les gars, qu'est-ce que je vous ai dit, ne construisez pas. Le prochain qui construit, il est ban. Mais non, mais ne cassez pas non plus, mais vous êtes insupportables. Ok les gars, allez, il nous faut les 100 personnes sur le toit les gars, les 100 personnes sur le toit. Attends, il en manque là, il manque des gens là. Allez, venez tous, tout le monde sur le toit les gars, tout le monde. Allez les gars, tous sur le toit, réunissez-vous. Je veux qu'il y ait tout le monde, je veux qu'il y ait tout le monde. What? What the fuck? Mais non, qui a mis le cube? Mais non, vous êtes insupportables les gars, vous me faites honte, voilà, j'ai honte de vous. Devant des milliers de gens, j'ai honte de vous. Voilà, restez tous sur le toit les gars, restez tous sur le toit, n'allez pas en l'air. N'allez pas en l'air, je vais vous demander de commencer à viser le vaisseau les gars. Tous ceux qui sont sur le toit, je vais vous demander de viser le vaisseau. Ne tirez pas dessus, ne tirez pas dessus, ne tirez pas dessus encore. Voilà, on va essayer de pas trop les énerver. Ok les gars, réunissez-vous tous au milieu du toit les gars, tous au milieu du toit. Ok, ok, là je crois qu'on a la bonne centaine de personnes là. Ok les gars, je vais vous demander de tous arrêter de sauter les gars. Arrêtez de sauter et visez-moi ce vaisseau. Visez le vaisseau. Non mais tirez pas dessus, tirez pas dessus. Visez le vaisseau et à mon commandement vous tirez tous dessus. 3, 2, 1, c'est parti. Tout le monde tire sur le vaisseau. Tout le monde tire sur le vaisseau, on va l'exploser. On va l'exploser le vaisseau. c'est bien, voilà. C'est comme ça que ça se passe, allez-y. Détruisez-moi ce vaisseau. What the fuck, what the fuck, les gars, j'entends un bruit de fou. Les gars, j'ai entendu un bruit de fou. Je crois qu'il est pas content le vaisseau. On va peut-être l'exploser. On va peut-être l'exploser, mais non, vous avez tout fait péter. On va peut-être l'exploser le vaisseau, allez-y, continuez, continuez. Tiens, prends un gros bidon d'essence dans ta gueule. What the fuck, les gars, what the fuck, ok, 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 ok. Bon, les gars, je crois que ça va être très compliqué. Ah non, on va pas avoir réussi à l'exploser. En même temps, regardez la taille du truc, les gars. 100 joueurs n'auront pas fait l'affaire, malheureusement. Bon, c'est pas grave, on aura essayé, les gars, mais... Eh, les gars, je crois qu'on l'a affaibli, hein. J'ai entendu un gros bruit de narvalo, les gars. J'ai entendu un bruit de fou furieux. Cette fois, les gars, la consigne va être très simple. Vous allez tous devoir aller chercher un vaisseau et rendez-vous à Slurpee Swamp, les gars. Tout le monde doit prendre un vaisseau, les gars. Le plus possible de vaisseaux. On va essayer d'attaquer le grand vaisseau mère avec sa propre arme, les gars. Les vaisseaux extraterrestres. On va
pas le défoncer, croyez-moi. Et ne vous tuez pas entre vous, hein, partagez les vaisseaux. S'il y a plus de place, s'il y a plus de vaisseaux, vous montez sur les autres vaisseaux et vous prenez des armes pour tirer. Mais on va l'attaquer, on va se le faire ce vaisseau mère, les gars. On va le défoncer, croyez-moi. Peut-être que si on tire dessus avec ses propres armes, les gars, il va mourir. Une fois que vous avez votre vaisseau, les gars, rendez-vous à Slurpy Swamp pour défoncer le grand vaisseau mère. Waouh, oh, lui, il m'a castagne. On s'est rentré dedans. Ok, les gars, on va faire une armée de vaisseaux pour défoncer le vaisseau mère. Ok, ok, on réunit tous les vaisseaux spatiaux, tous les vaisseaux des aliens. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites en bas là? Vous êtes des narvalos, hein, vous êtes vraiment des fous. Ok, les gars, moi je vais me poser sur le toit, les gars. Ok, allez au plus haut dans le ciel, les gars, allez au plus haut dans le ciel. Je pense que tous les vaisseaux sont là, les amis. À mon commandement, vous allez pouvoir commencer à tirer sur le vaisseau en haut, les gars. Ok, 3, 2, 1, tirez sur le vaisseau! Tirez dessus! Mais non, mais prends pas, toi, mais lâche-moi! Tirez tout sur le vaisseau, les gars, on le défonce! Merde, mais pourquoi vous tirez pas dessus? Ah, mais on peut pas tirer dessus! Ils ont instauré une barrière de défense! Défoncez-moi ce vaisseau! Défoncez-le! Non! Ils ont créé une barrière de protection, les gars, on peut pas tirer dessus avec les vaisseaux, j'ai le mort! Bon bah au pire faites la guerre des vaisseaux, les gars, tirez-vous tous dessus en vaisseau, défoncez-vous, cassez-vous la gueule en vaisseau, c'est bon, c'est l'anarchie les gars. Grosse bataille, faites-moi tomber ces vaisseaux, c'est pas grave, on va détruire toute la technologie alien alors. Ah, toi tu profites du spectacle madame. Bon, pour tous les survivants, cessez la guerre, on n'aura pas réussi à venir à bout de ce vaisseau les gars, c'est pas grave, pour tous ceux qui sont en vie les amis, rendez-vous à Corny Complexe, voilà, rendez-vous à Corny Complexe pour tous ceux qui sont en vie, on se retrouve dans la zone les petits potes. Ah non, peut-être pas à Corny Complexe. En fait, peut-être pas encore ni complexe. Ok, les gars, tous les survivants au milieu du champ, les gars. Allez, tous au milieu. Mais les gars, mais vous avez volé un distributeur. Mais vous êtes des racailles. Vous êtes des racailloux, les gars. Vous êtes tous des racailloux. Ok, les gars, attention à la voiture. Ok, Gugu a dit esquivez la Ferrari. Bon, ok. Bon, alors là, il y en aura qui n'ont pas réussi à esquiver la Ferrari. C'est pas grave, ça fait un peu de ménage. Allez, tous en groupe. Je veux voir un gros groupe au milieu du champ, les amis. Allez. Je vais tirer aléatoirement sur l'un d'entre vous avec le railgun. Qui aura pas de chance? Oh là là, je sais même pas qui n'a pas eu de chance. Tellement vous êtes un gros troupeau. Ok, bon, le prochain qui saute est éliminé. Allez tous à terre, le prochain qui saute est éliminé, les gars. Attention, je surveille. Ok, toi, je t'ai vu, t'as sauté là-bas. Gugu a dit, réesquiver la Ferrari. Eh, c'est meurtrier, ça, les gars, c'est meurtrier. Allez, un petit coup de Ferrari, parce que ça me fait plaisir. Voilà, faut déblayer, les gars, il faut déblayer. Gugu a dit, ne brûlez pas. Revenez tous au milieu du champ, les gars, vous êtes plus que 22. 22 honorables survivants. Salut, Ariana Grande, me fais pas les yeux doux comme ça, va au milieu, là. Ok, les gars, on va jouer à un jeu. Je vais faire une ligne avec le nouveau laser. Et va falloir sauter au-dessus. Mettez-vous tous en ligne. Tous en ligne au niveau du champ, là, voilà. Mettez-vous en ligne face à moi. Allez, on montre à YouTube qu'on est discipliné. Une ligne. Non, mais non, pas une. Ouais, non, une ligne horizontale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Une ligne face à moi, pas une file indienne. Ok, alors Gugu a dit sauter au-dessus du laser. Je commence. Sauter au-dessus du laser. Sauter. Bien joué. Allez, on recommence encore une. Allez, sauter au-dessus du laser. Allez. Malheureusement, il y en aura qui n'ont pas réussi à sauter. C'est dommage. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as cru que t'étais dispensé? Pas parce que t'es Deadpool et que t'es la vedette et que c'est moi qui fais ta voix que t'es dispensé. Voilà. Faut arrêter les conneries quand même. Allez, un petit coup parce que ça me fait quand même rire de vous voir sauter comme ça. Allez, tout le monde saute au-dessus du laser. Mettez-vous en ligne comme vous étiez, les gars. On va faire l'épreuve de la Ferrari. Je vais aller remettre un peu d'essence et on va faire l'épreuve de la Ferrari. Je mets un peu le plein, hein. Désolé pour l'attente, hein, les loustiques. Je fais le plein. L'épreuve de la Ferrari. Mettez-vous tous en ligne comme vous étiez. Allez, en ligne, les gars. L'épreuve suivante, les amis, ça va être de sauter au-dessus de la Ferrari quand je vais arriver. Et c'est parti, Gugu a dit sauter pour survivre à la Ferrari. Wouh! Oh non, tag diff! On a shooté tag diff, les gars, Attention, esquivez la Ferrari encore une fois! Waouh! Là, ok, là, on a fait de la place. Ok, les gars, ceux qui peuvent se transformer en vaches seront épargnés jusqu'à la dernière épreuve. Ok, voilà, les vaches, venez derrière moi. Ok, bon, bah, il y en a eu deux. Ok, les deux, là, montrez-vous. Faites voir qui est... Ok, donc là, il y a... Oh, les deux poissons! Quoi? Mais vous êtes des jumeaux! Bon, les jumeaux vaches, vous restez derrière moi, les gars. Vous restez derrière moi. Les autres, vous mettez en ligne. Ok, bon, vous êtes plus que 6, vous. Ok? Bah, je veux que vous vous battiez à la pioche jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. C'est parti! Pas le droit de fuir, les gars. Battez-vous à la pioche jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un, les amis. Pour rejoindre les jumeaux Poiscaï qui sont juste là. Vous êtes les meilleurs amis du monde, vous, en fait. Ok, allez, battez-vous à la pioche. Allez! Plus d'entrain, mon dieu! Je vais vous jeter des trucs dans la tronche, moi, sinon! Allez, je veux qu'il y ait plus d'entrain! Attention au taxi!
Oh merde! Bon bah j'en ai tué deux. Bon, alors tu es la grande gagnante. Tu as gagné par la fuite, mais tu es la grande gagnante. Allez, viens. Ok les amis. Ok. Bien joué les poissons meilleurs amis. Attention. Attention à toi ma petite. Hein. Il va falloir que tu sois très vigilante parce que là, les deux là, ils rigolent pas. Ils ont l'air d'être les meilleurs amis du monde. Bon alors les gars, ça va être un truc très très simple. Ça va être un truc très très simple. N'ayez pas peur, ne reculez pas. Mettez-vous. Voilà, je veux que... Oh merde, pardon. Bon, voilà, c'est pas grave. Il est là. Je veux que vous vous mettiez tous les trois autour de ce bidon d'essence. Tous les trois. Allez, plus proche, limite dessus. Allez, voilà. Malheureusement, celui qui mourra, eh ben, sera éliminé. J'espère que vous avez assez de vie pour survivre au bidon d'essence. Ah, malheureusement, lui, il a joué le jeu, il est resté sur le bidon, et vous deux, vous avez fui, vous devriez être tous les deux perdants pour ça. Je demande un autre bidon d'essence, remettez-vous tous les deux sur le bidon d'essence. Et en fait, c'était un proc, c'est la voiture qui va venir vous achever. Bien joué, vous avez esquivé la voiture. Sauf toi. Désolé Dream Bubble, mais bon, c'est toi la grande gagnante. Et oui, il faut faire attention, je suis quelqu'un de fourbe. Ok, alors est-ce que tu peux me montrer ton nom? Neoxix 9005, et bien joué à toi. Adieu Neoxix et bravo pour avoir gagné ce jeu. Et merci à vous tous d'avoir regardé et d'avoir participé aussi les amis, merci à tous les abonnés. Bien sûr pour me soutenir, faites comme cela, mettez le code GUGU, GUGU dans la boutique de Fortnite, un des codes les plus simples au monde. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, vous abonner, mettre la cloche et me suivre sur les réseaux, Instagram, Twitter et TikTok. A très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut !